Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement. Écoute la voix d'or. Nella NG te dit toute la vérité. Big Grace Moloto, yeah, comme le nom l'indique, c'est la fille biologique du fait papa Alain Moloto. En fait, c'est sa deuxième fille. La première fille, c'est celle que vous êtes en train de voir à droite de papa Alain Moloto. À son gauche, on voit, c'est sa défunte femme. Et là où j'ai encerclé, là, c'est elle, Big Grace. Et puis, on a Nebi, le cadet. Et puis, on a Jean-Michel Kossi-Moloto, le deuxième enfant et son premier fils. Donc, Big Grace, c'est la deuxième fille de papa Alain Moloto. Alors, aujourd'hui, on va parler d'elle parce qu'elle nous a annoncé quelque chose de spécial qui mérite une émission. Et on est en train, en tout cas, de témoigner la grâce qui a accompagné ces grands hommes. On est en train de voir ça au travers de ses enfants, les enfants de papa Alain Moloto, en tout cas. Bravo, bravo, bravo. Ils sont en train de faire honneur à leur papa. Alors, on va essayer un peu de parler de Big Grace avant de vous annoncer la grande nouvelle et de vous montrer, en tout cas, les photos de notre futur beau-frère, petit-fils. De quoi? Petit-fils. Yeah, c'est mon fils. Beau-fils, voilà. Beau-fils de papa Alain Moloto et notre beau-frère. C'est ici, chez Nella NG officielle, que nous allons tout expliquer. Essayer un peu de parler de Big Grace, qui est la deuxième fille de papa Alain Moloto, qui nous annonce enfin son mariage. On va voir le visage de son mari. Et dans les prochains jours, en tout cas, vous allez avoir les vidéos de la cérémonie coutumière civile et religieuse. Et si vous n'êtes pas encore abonné, en tout cas, profitez de vous abonner rapidement, rapidement, parce que nous allons démarrer. Alors, Big Grace Moloto, Big Grace, Béni Grâce. Elle a coupé ça, Big Grace. Qu'est-ce qu'elle fait dans la vie? Elle est qui? Elle fait quoi? Avant de vous dire ça, je vais vous partager une pensée qu'elle a elle-même partagée pour vous prouver réellement qu'elle est réellement la fille de papa Alain Moloto. Un nom à léguer, un empire construit, une histoire à raconter, un parcours à retracer, des souvenirs à jamais dans le cœur, un héritage à ne jamais perdre. Jésus, l'ensemble a fait notre force. Qui a dit que Jésus n'était pas capable? Détrompe-toi, nous sommes exactement ce que le Seigneur est capable de faire. Amen. Pourquoi Big Grace avait partagé cette pensée? C'était bel et bien le jour de l'anniversaire du décès de leur papa. Donc chaque année, ses enfants sont en train, en tout cas, de célébrer. Ils vont célébrer, célébrer, célébrer. C'est toutes les années que ses enfants sont en train de célébrer la mort de leur père, la vie de leur père sur terre et cet héritage que ses papas leur avaient laissé. Alors, je signale déjà que la première fille de papa Alain Moloto, qui est son aînée, elle s'appelle encore comment? Je lui connais seulement le nom de famille, hein? Toumba Moloto. J'ai oublié son nom, son prénom, en tout cas, j'ai oublié son nom. Elle était déjà mariée, je pense, l'année écoulée, elle était mariée. Elle est déjà maman d'un enfant. Malheureusement, elle n'a jamais révélé, en tout cas, le sexe de son bébé, mais elle est déjà parent, elle est mariée. Je crois après 2 ans après, on voit sa petite sœur nous montrer, en tout cas, ce que le Seigneur a prévu. Alors, on connaît déjà que Jean-Michel Kossi-Moloto, il est dans la politique, il, en tout cas, il a une ONG,
Il a une entreprise qui transforme des produits naturels, des épices et tout, de jus et tout, j'en avais déjà parlé dans plusieurs vidéos passées hein, sur cette même chaîne, ni la NG officielle, quand j'avais dit, j'avais parlé, c'était déjà qu'est-ce que ces enfants sont devenus, en tout cas j'avais bien expliqué là, c'est un que je revienne. Nebi est encore étudiant et Big Grace a fini ses études et on va découvrir ensemble avec vous qu'est-ce que Nebi Big Grace est devenu aujourd'hui, puisque Nebi, il est encore dans les études, les cadets bien sûr, c'est lui qui est en veste avec cravate. Alors, Big Grace, elle est dans la restauration. Eh oui, elle est dans la restauration. Big Grace, restauration. La personne qui veut avoir le contact de Big Grace pour aller manger, prier de me contacter, vous aurez ses contacts. Alors, il y a quelques jours passés, Big Grace nous avait partagé en tout cas des jolies petites pensées sur son statut Instagram. En tout cas, c'était des jolies petites pensées. Comme vous nous connaissez toujours, que nous sommes toujours là, nous prenons toujours, nous sommes là. On peut prendre, tu traverses TikTok, tu prends, tu vas sur Instagram, tu prends. Alors, elle avait partagé une photo avec un monsieur, un très beau monsieur. Big Grace avait gardé son visage. Alors, je m'étais dit, ok, je prends la photo. Si c'est un film, j'annoncerai au peuple de Dieu que Big Grace est maintenant dans l'industrie cinématographique, parce que dernièrement là, il venait de faire un documentaire pour expliquer, en tout cas après plusieurs années, que leur papa n'était plus en vie. J'avais seulement pris. Quand j'ai vu cela dit, quelque chose de formidable pour très bientôt, juste save the dates. Bon, je m'étais dit peut-être que ce serait un film, peut-être aussi c'est son mariage, peut-être c'était une demande de mariage. Bon, vous voyez, j'avais justement pris la capture d'écran, j'ai gardé quelque chose de formidable pour très bientôt, juste sauvegarder la date, garder cette date. Yeah, comme une personne qui travaille sur les réseaux sociaux, qu'est-ce que je pouvais faire? J'ai gardé la photo et même la date. Parce que ça faisait déjà quelques jours. Alors, comme j'avais dit tantôt, je pensais que c'était un film. Je dis que peut-être c'était un film et tout. Malheureusement, non, ce n'était pas un film. Jusqu'à ce qu'elle partage avec une bague. Elle a partagé seulement elle, jusque-là. Elle avait partagé la première photo là, vous voyez même les écarts d'heure et tout, j'ai pris. Et une autre photo encore, quand le bonheur est visible, en passant, ce n'est pas l'annonce d'un film. Parce que moi également, j'avais cru que c'était l'annonce d'un film. Bon, si I'm saving the date, so I don't know, maybe it's going to be a film or what, series, or I'm going just to save it, and then maybe if she announcing, she's going to announce the coming out of this one, so I'm going to share. No, it wasn't. Ce n'était pas ça. Quand je vis la bague, je me suis dit, wow, gloire à Dieu. Et j'ai commencé à me renseigner. Yes! J'ai commencé à me renseigner, je me suis très bien renseignée. Les jours ici, rassurez-vous, ce n'était pas la demande de mariage. Non, on me dira que c'était le jour où on avait remis tout le bien. C'est-à-dire que, coutumièrement parlant, il n'y a pas eu encore de cérémonie, mais la remise de tout le bien qu'on demande pour faire le mariage coutumier. C'est ça même, ce sont le bien là qu'on avait remis, c'était le jour ici, on a remis tout le bien et puis elle a donné sa bague de fiançailles, donc c'était le même jour qu'on a remis les biens, les fiançailles. Donc le monsieur ici c'était un gentleman, c'est lui d'ailleurs, l'élu, oui, le bonheur est visible, oui, c'est un monsieur capable, oui, donc on va faire le chose, tout, et c'est qui en tout cas l'élu, quel est son visage, vous posez beaucoup de questions.
ayez vos apaisements. Ici, chez la NG officielle, quand on apporte quelque chose, on amène tout. Et finalement, elle a montré son visage en écrivant « C'est le Seigneur qui connaît les désirs de ton cœur ». On dirait que c'est le Seigneur qui avait raison. Et voici enfin le visage de ces beaux messieurs. Qui est ces messieurs? Quel est son nom? Il fait quoi? Big Grace n'a pas identifié quelqu'un dans sa publication. C'est elle et elle. Yenaye. Yenaye. Yenaye, tu pars là-bas, c'est elle. Tu tournes là-bas, c'est elle. Tu tournoies là-bas, c'est elle. Alors, c'est le devoir que je me suis pris d'aller me renseigner. Mais en attendant, c'est ici que ça se passera de choses. Donc, bientôt, là, il y aura la cérémonie du coutumier, du civil et du religieux. Bien sûr, tout ça là, ça va se passer ici chez nous, la NG officielle. Papa Alain Moloto fit un grand homme. Un grand homme. Alors, de toutes les choses que Dieu est en train d'accomplir dans la vie de ses enfants, c'est un témoignage vivant pour dire que Dieu, réellement notre Dieu, Jésus-Christ, il est réellement le Dieu des orphelins. C'est lui qui sait prendre soin des orphelins pour ceux-là qui pensent que leur destinée est finie parce qu'ils ont perdu leurs parents. Les enfants de Papa Alain Moloto nous montrent vraiment clairement que si vous êtes intègre, si vous avez bien passé votre vie sur cette terre, vous avez cru en Jésus, vous avez recommandé votre futur entre les mains de Dieu, même si vous n'êtes pas là, Dieu prendra soin de vous. Apprends-moi à compter mes jours. En comptant les jours, on sait déjà qu'on doit apprendre à faire du bien. Parce que si vous faites du mal, Dieu là, le Dieu là qui punit, il punit jusqu'à la quatrième génération. Mais quand vous faites du mal, c'est les mêmes Dieu qui bénit jusqu'à la quatrième génération. Et en regardant la vie des enfants des papas les Moloto, on voit Dieu, Dieu lui-même, qui s'est manifesté dans la vie de ses enfants. Alors, restez branchés ici chez la NG officielle. Dans les jours à venir, vous aurez le coutumier, le civil, le religieux. Et vraiment, ça nous fera du bien. Ensemble avec cette famille, nous glorifierons l'Éternel. Coucou à tous les Néla Chou, les Néla Cœur, les Néla Love. Et bienvenue à tous mes nouveaux abonnés, c'est-à-dire que tu es nouveau sur ma chaîne, n'hésite pas à t'abonner, clique la cloche de notification, tu auras toutes les actualités chrétiennes, musiciennes, chrétiennes, ou des analyses de qualité, toujours ici chez Néla NG officielle, et certaines annonces qui ne se passera seulement ici chez Néla NG officielle. Bisous, bisous à vous. Que Dieu vous bénisse abondamment. On se retrouve prochainement. Bye! Néla NG officielle. Néla NG. Écoute, like et abonne-toi à Néla NG officielle sur YouTube. Néla NG officielle. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Néla NG te dit toutes les vérités.